compter sur moi et sur Pierre Ménès. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une rencontre d'Eredivisie, c'est-à-dire l'élite du foot néerlandais. Un match comme on les aime, Pierre. Belle opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épique. Il faut trouver une option disponible. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Il prend la frappe. Non, c'est contré. Premier corner, mine de rien. C'est peut-être une des plus belles occasions qu'ils auront aujourd'hui. Ah, il est bien parti, ce corner. De précision sur ce corner. Contré. Paul Jontsch. Il cherche une solution. Il faut trouver une ouverture. Récupération et peut-être une action dangereuse. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah, l'attaque enrayée. Ah, bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Chercher une ouverture, bien sûr. Attention, le tir. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Les visiteurs qui ont donc la meilleure attaque du championnat. C'est un élément qui peut avoir son importance dans cette rencontre, évidemment. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe, là. Et déjà le premier coup de sifflet. Oh, attention, elle met tout le monde dans le vent. Ballon bien négocié par le gardien. Bart Newkup. Allez, le ballon qui est dégagé. Un ballon pour l'adversaire. Ouais, un bon ballon d'attaque. Il essaye de trouver la faille. Il tacle. Allez, ça va aller vite sur ce contre. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Carré Lighting. Martinez. Classian Huntelaar. Huntelaar. Le terrain qui n'a pas aidé sur ce ballon. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On cherche des solutions là. Ah, il y a quelqu'un au premier poteau. Et le centre bien négocié par le gardien. Le ballon rendu à l'adversaire. Attention, il a du champ devant lui. Et attention, il peut centrer. Attention à la frappe. Ah, il y est ! On le sentait venir. Et il est venu ! Bah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. L'équipe qui tente le plus dans ce match est récompensée. Elle joue sa chance sans complexe et elle a raison. La supposée différence de niveau ne se vaut pas du tout aujourd'hui. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0.
Donny Van de Beek. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Ah non, le ballon est perdu. Il faut trouver l'ouverture. On cherche la faille dans la défense adverse. Martinez. Denis Van de Beek. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le gardien qui repousse le corner. Attention à la frappe. Il repousse le tir. Ah, il a dû se dégager comme il pouvait, hein, pris à la gorge. Ah, il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il cherche une solution là. Et ce ballon qui est perdu. Bon, un dégagement sans se poser de questions. Allez, le centre à venir. Chercher une ouverture, bien sûr. Huntelaar. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Remise en touche dans le camp adverse. Il cherche une solution. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Un ballon pour l'adversaire. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ballon qui est donné en profondeur. Il essaye de trouver la faille. Ah oui, but pour l'Ajax. Sacré exploit individuel, vraiment. Il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissés. Et lui, les espaces, on le sait, il ne faut pas lui en laisser beaucoup. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Et voilà donc à égalité, un but partout. Le ballon rendu à l'adversaire. C'est un sacré match auquel on assiste avec beaucoup d'occasions, des buts, mais il est très indécis, ça peut se jouer sur un détail. Ah, la bonne passe. Cherche quelqu'un au second poteau. Corner. Allez, pourquoi pas un but, pour prendre l'avantage au score. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. La bonne lecture et le ballon qui change de camp. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales. Et... Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Les joueurs de l'Ajax qui obtiennent donc un coup franc. On cherche la faille dans la défense adverse. On peut trouver une option disponible. Oh, il était temps d'intervenir là. Karel Heiting. On cherche des solutions là. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Il rend un peu le ballon à l'adversaire. Il n'a pas su résister à cette bonne séquence de pressing. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Ah, il n'a rien pu faire. Il a dû se débarrasser du ballon face au pressing de l'adversaire. Donny Van de Beek. Allez, dommage. Ça n'ira pas plus loin sur cette action. Cherche une solution là. Et l'arrêt du gardien.
Il cherche le point de pénalty. Et non, c'est gâché. Alors, le ballon qui est dégagé. Et c'est récupéré. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Klaasje Nuntelaar. Zakaria Labiad. Donny van de Beek. Les joueurs de l'Ajax en pleine offensive. Il perd le ballon. Le ballon pour les joueurs de l'Ajax. Cette touche. Karel Heiting. Donny van de Beek. Attention, il peut centrer là. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Huntelaar. Ah, Huntelaar qui se loupe sur cette action. Ah non, le ballon est perdu. L'ouverture. Klaasje Nuntelaar. Le gardien qui repousse. Attention. Ah oui, magnifique la parade du gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Touche dans le camp adverse. Zakaria Labiad. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. L'arbitre a levé son drapeau, hein, l'assistant. C'est un hors-jeu. Martinez. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Ouais, il n'est pas au mieux, hein, dans ce match, Huntelaar. Votre analyse, Pierre? Il n'est pas dans son match, honnêtement. Hein. Par moments, on le voit décrocher, on se demande pourquoi. Et puis, dans certaines situations, il évite le travail défensif qu'il devrait aussi faire. C'est dommage parce que, en jouant sur ses qualités habituelles, il permettrait peut-être à son équipe de prendre l'avantage dans cette partie. C'est contré. Klaasje Nuntelaar. Huntelaar. Le terrain qui n'a pas été sur ce ballon. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Attention, il a du champ devant lui. Attention, il peut centrer. C'est reparti pour la seconde période. Ce sont les joueurs de l'Ajax qui ont engagé. Pour qui ce centre ? Ouais, le centre est soigné, mais il ne trouve personne. Olyonch. Cherche une solution, il faut trouver une option disponible. Qu'est-ce qu'il va faire ?
Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Martinez. Donny van de Beek. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Ouais, il a levé son ballon. Attention, parce que ça peut faire mal. L'assistant qui a levé son drapeau sans hésiter. Le hors-jeu est très net hein, sur cette action. Dommage, ça aurait pu donner quelque chose. Complètement raté cette passe. Ouais, ils ont obtenu la récupération avec ce bon pressing. Ce sera une touche pour eux. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Centre et c'est contré. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Attention à la frappe. Et frappe contrée par le défenseur. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. On s'approche de la zone de vérité. Une, deux. Non, elle est interceptée cette passe. Il faut trouver l'ouverture. Traoré, elle était bien placée pour intercepter cette passe. On cherche, c'est donné en profondeur. Ouais, c'est bien donné ça. Ouais, le but, oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe, ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Cherche une solution là. Cherche une ouverture bien sûr. Voilà, ça va être intéressant. On va devoir le ralentir parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Ah, il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Il essaye de trouver la faille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Le corner pour peut-être chercher l'égalisation. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Un ballon pour l'adversaire. Ouais, ça joue bien collectivement. Allez, ils peuvent égaliser là. Ouais, hors-jeu, 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 si elle est hors-jeu. Ah, la défense qui a eu chaud. Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Excellente intervention. Donny van de Beek. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Bonne passe. On place ça pour une contre-attaque. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu. Dommage. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Paul Jontsch. On cherche une solution. Allez, après tout, pourquoi pas. Je préfère revenir dans l'axe. Il s'avance vers la surface. La passe est interceptée.
Lumineuse cette passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, c'est raté. En plus, c'était une occasion de prendre le large. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. On cherche des solutions là. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Paul Jontsch. Ballon rendu à l'adversaire. Ah oui, la bonne passe. Ah, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. Tagliafico. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il faut trouver une option disponible. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. C'est sans problème pour le gardien. Allez, ils vont jouer la touche. L'entraîneur qui a décidé de faire un changement. L'entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre, mais là, c'est décidé. Paul Jontsch. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, il progresse bien là. Ouais, danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il ouais, faut trouver une ouverture. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Ils ont l'air de croire à l'égalisation chez les supporters. Oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. La passe est coupée et bien défendue. Traoré. Il essaye de trouver la faille. Le tir. Ouais, il repousse, ça joue. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On cherche une solution. On cherche la faille dans la défense adverse. Alors, manque de précision sur ce tir non cadré. Paul Jontsch. Pas le ballon, ils le perdent. Cherche une solution là. Il s'échappe. Eh oui, but pour l'Ajax. Ah, c'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça, même si on ne peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ah, le gardien qui n'a pas eu à s'employer sur ce tir à côté.
Poljonč. Attention, il a du champ devant lui. Ça, c'est pas... Décidément, c'est un petit peu cadeau sur cadeau, tous ces ballons perdus. Très bonne intervention à nouveau. Allez, il peut prendre l'espace là. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Il faut trouver une option disponible. On cherche des solutions là. Tir. Ah, c'est contré. Mais l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Bart Newcup. Il a la place pour centrer. Ah oui, c'est bien fait ça. Le centre à destination de ses partenaires. C'est manqué cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, peut-être une bonne touche là. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Voilà, le coup de sifflet final, c'est terminé. Et c'est fini sur cette. Attention, il a du champ devant lui. Attention, il peut centrer.